Hanouka se termine. Je vous propose qu'on essaie de partir avec un enseignement qui pourra, Bezrat Hashem, nous donner beaucoup de lumière dans notre vie. Vechosher al pene teom. Juste avant la création du monde, la Torah nous dit Rocher, l'obscurité, planait sur la surface de l'abîme, il n'y avait que de l'obscurité. Nos sages nous disent sur cette phrase Rocher al pene teom, Rocher zo malchut yavan. L'obscurité, c'est les Grecs. Alors, ça veut dire quoi l'obscurité, c'est les Grecs? L'obscurité, mes amis, c'est tout ce qui est sombre dans notre vie. C'est tous les problèmes qu'on peut avoir dans notre vie. Ouais, à 35 ans, je suis encore célibataire. 5 ans que je suis marié, je suis pas encore enceinte. Chez l'homme baït en ce moment, c'est la catastrophe. Ma fille, elle est partie habiter avec un goy. Mon ex-mari qui me pourrit ma vie, monte les enfants contre moi. Un an de gynothérapie, et c'est toujours au même stade. Mes amis, tout ça, c'est recher. C'est l'obscurité. C'est quand tout est noir dans ma vie, il n'y a pas un brin de lumière qui rentre. Rien. Rocher al pene teom. Il n'y a que de l'obscurité dans ta vie. Oublie la lumière. Tu ne sortiras jamais tes problèmes. Ton fils, il restera nul en maths, quoi que tu fasses. T'as raté ton examen, mais c'est parce que t'es nul. Mais t'es une banane, t'y arriveras jamais. Mes amis, ça, c'est le message grec qui nous menace en permanence. La lumière, elle ne rentrera pas dans ta vie. Oublie, Rocher al pene teom. Il n'y a que de l'obscurité, il n'y a pas de lumière chez toi. Et il n'y en aura pas. Mes amis, ça, c'est les Grecs. Et là, nous, on vient, le peuple juif, et on allume les bougies de Hanouka. On allume la lumière pour se rappeler, mes amis, que la lumière, elle existe. Pour se rappeler, mes amis, que quoi qu'il arrive, la lumière, elle finira par rentrer dans notre vie. Je passerai un jour sous la roupa. 45 ans, divorcé, 3 enfants. Hachem, il m'emmènera un jour sous la roupa. Un jour, je porterai mon bébé, quoi qu'il arrive. Hanouka, c'est ça, mes amis. Fais rentrer la lumière dans ta vie, ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras. Quel que soit le degré d'obscurité, Rabbi Nachman Ibn Breslev, mes amis, un des messages les plus incroyables qu'il a laissé au Am Israël. Eni ouj baolam, eni ouj baolam, klal. Le désespoir n'existe pas. Le désespoir, c'est un mot qui n'existe pas dans le judaïsme. C'est quoi le désespoir? Mais je ne connais pas ce mot, je ne le connais pas, je ne sais pas ce que ça veut dire, désespoir. Sam ketz la rocher, nous dit le verset Hachem il a mis une fin à l'obscurité. Ketz la rocher. Hachem a prévu, nous disent nos sages, une date de fin à chacun de nos problèmes. Quelqu'un qui a une vraie mona, une vraie confiance en Hachem, il sait attendre et il n'a pas peur d'attendre. L'attente, mes amis, l'attente, elle fait partie du process de délivrance. C'est avec ça qu'il faut partir après Hanouka, mes amis. Se renforcer dans notre confiance en Hachem. Hachem, je te laisse gérer ma vie. Hachem, tu sais mieux que moi ce qui est bon pour moi. Je te laisse gérer. C'est comme ça qu'on repousse l'obscurité. Et c'est comme ça, mes amis, qu'on allume la lumière dans notre vie. Et c'est comme ça qu'on pourra, Bezrat Hachem, voir les délivrances que Hachem veut nous envoyer. À bientôt.